Ces choix s'est porté sur l'espace ici, près de la place de la République. Et lorsque est arrivé le drame sanitaire, le confinement, le premier du nom, on s'est posé la question de savoir où on pouvait se déplacer et comment nous pourrions l'organiser. Et ce choix a été fait, une réflexion a été portée. Nous avons mobilisé les services départementaux, les services de Moselle Art Vivant, qui ont conçu, qui ont imaginé à la fois l'aménagement de l'espace, mais également le contenu, donc les différentes lanternes. Il y a plus de 400 lanternes qui sont exposées ici, où on a lié à la fois les nouvelles technologies de l'éclairage, les lanternes d'antan, les lumières, la musique, enfin tout ce qui fait cet espace très particulier et cette ambiance que nous ressentons ici en rentrant dans ce sentier lanterne. Malheureusement, est arrivé ce deuxième confinement avec tout ce que cela a pu représenter. Donc, pour l'instant, nous sommes dans une situation où le sentier des lanternes ne sera ouvert que de façon virtuelle à partir d'une semaine, puisque maintenant qu'il est réalisé, il nous faut le filmer, il faut le mettre en valeur, il faut le mettre en scène, sous toutes ses formes. Nous allons, avec le maire de Metz, essayer d'obtenir la possibilité de l'ouvrir en présentiel au public, parce qu'il est vraiment dommage de priver le public d'un espace aussi prestigieux que celui-là, qui devient, à mon sens, une référence des Noëls de Moselle, ici, à Metz, dans la capitale, et qui montrera autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir à Noël. Et donc, pour nous, nous allons essayer, nous avons une semaine pour essayer d'obtenir, on va entendre ce que le président de la République va nous dire ce soir, est-ce qu'il y aura de bonnes annonces. On a la situation sanitaire est plutôt favorable aujourd'hui en Moselle, hein, l'ensemble des éléments et les indicateurs qui nous sont donnés sont plutôt favorables. Nous espérons qu'ils vont encore s'améliorer. Nous avons la capacité à faire de la distanciation, à organiser l'entrée. C'est ce que nous voulions, hein, qu'il y ait une entrée qui soit canalisée précisément, qui soit maîtrisée. Après, la décision ne nous appartiendra plus. Tout est fait pour pouvoir accueillir beaucoup de public ici et de le faire dans un espace de tranquillité, dans un espace d'émotion, dans un espace enchanté. L'objectif, c'est que maintenant, ça devienne le site. C'est pas la Covid qui nous a fait installer le sentier des lanternes ici. C'est les 150 000 visiteurs de l'année dernière, où on a dit on ne pourrait plus. On avait un kilomètre de queue tous les week-ends. On engorgeait complètement le centre-ville. On n'arrivait plus à y entrer et puis à y stationner. Donc, il fallait trouver un autre lieu. Alors, on a fait un peu le tour de Metz. J'ai rencontré François Grosdidier dès son élection, où on avait quelques idées, mais il fallait les valider avec le maire de Metz, et on a tout de suite fait le choix de celui-ci. On était sortis du confinement, donc pour nous, on se mettait dans la perspective d'un véritable Noël de Moselle, avec des chalets, avec une autre dimension qu'on voulait donner, vraiment dynamique. Puis est arrivé le deuxième confinement, et on a dit, on fait quand même, parce que le choix, c'était à un moment de se dire, on ne ferait pas. On a décidé de faire, parce que je crois que c'était une décision politique pour affirmer le fait que, malgré cela, ben nous pouvons peut-être vivre, à minima, les fêtes de Noël dans cette ambiance qui est une ambiance qu'on retrouve à aucun autre moment du calendrier que nous vivons. Et là, nous avons un espace qui est absolument exceptionnel. Et moi, j'encourage tout le monde à la visiter virtuellement, cet espace naturellement. Et puis, si nous le faisons de façon virtuelle, parce que nous le ferons aussi de façon virtuelle, même si nous ouvrons, on le met en définitif sur la map monde. Hein. Ce sentier des lanternes aura son identité et sera vu de partout. Et moi, j'ai des amis aux États-Unis, j'ai des amis au Brésil, j'ai des amis en Afrique. Je vais leur envoyer un message en disant « Viens visiter la Moselle au travers des sentiers des lanternes ». Donc c'est aussi un objectif là. Et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs qui vont venir, même dans la visite virtuelle.